Israël, Hollande, Tanzanie, Israël, Jonathan Blumenfeld, du Japon, Mr. Okiro. Et merci, applaudis à Nicolas, de Madagascar, David Kiki, de l'équipe, de Norvège, Anna Kinderland, du Portugal, Lisa Luiz, du Québec, Catherine Bellon-Sena, et de Russie. Donc là, je vais vous proposer cet exercice. Mais d'abord, déjà, donc on va le dire. Alors, donc qui c'est la gagnante? Claude. Et la gagnante, et on va demander à Catherine D de remettre le trophée parce que c'est la présidente de la Fédé. Et on va faire tout le club. Parce qu'on avait vraiment de très très beaux poètes, de très belles personnes aussi qui sont... Je vous demande de les applaudir si vous voulez. Il n'y a pas de meilleur poète. Chaque langue a sa richesse, chaque langue a sa beauté. Et tous les gens qui étaient là aujourd'hui étaient là pour nous faire plaisir. For me, the present for me, you know, it's you perform one poem of your language, you know, in your language, vous dites un poème de votre langue, tous en même temps, en essayant de vous régler, de faire un réglage, de manière à ce que tout le monde soit entendu. You perform a poem in your language, and you try to put the level at the right level, so everybody can be understood at the same time. You know? It's kind of cosmic poetry. Okay? Your favorite poem, okay? Let's wait for German. Not too loud, not less loud, you know? Just how you can. Mm-hmm. Everyone together, all together. Ok, on y va, vous allez voir, c'est fabuleux. Alors, une, alors.